find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. Salut, salut, on se retrouve pour la vidéo Un jour, un collage. Alors, du coup, j'ai pris... Je sais pas pourquoi j'ai reprendre une deuxième puisqu'elle est là. J'ai pris ce papier avec un fond un peu vintage. J'ai pris cette chute. J'ai pris cette étiquette. J'ai pris ce mot. J'ai pris cette chute là au cas où j'aurais besoin de la mettre. Et j'ai pris ce petit personnage que j'ai trouvé sur Pinterest que je trouve bien sympathique. Là je l'ai pas fait. Je l'ai trouvé sur Pinterest. J'ai trouvé mignonne. Du coup je l'ai imprimé. Je ne sais pas de où ça vient, mais je trouve ça canon. Je vais tout de suite l'ancrer, tout simplement. Je vais ancrer le bord. J'adore Pinterest, hein. Franchement, c'est une mine d'images juste et d'idées surtout. Mais juste énorme, quoi. Quand vous avez un coup de mou, que vous n'avez pas d'imagination, enfin, que votre imagination vous fait défaut, vous allez sur Pinterest et vous allez voir, il y a des choses, mais un truc de fou, dont vous pouvez vous inspirer. Ça, c'est presque... Ça, c'est vide, mais je vais garder parce que j'ai de la colle craftelier et je voudrais la transvaser dedans pour avoir ne serait-ce que l'embout. Donc, je le jette pas. Alors, on va coller ce papier complet ici. Vous voyez? Comme ça, ça va être plutôt... Ou alors, je le déchire. J'ai collé ça. Comme ça, ici, vous voyez, il manque un petit bout ici, mais on va trouver une solution pour camoufler, comme d'habitude. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais faire ça. Hop, je vais nettoyer mon plan de travail. J'avais un paquet de lingettes entamées qui sèche super vite, mais bon, pour le moment, ça fonctionne plutôt bien. Alors, du coup, on va coller ce morceau. Donc, c'est une chute d'une de mes cartes d'il n'y a pas longtemps, là. Et, ben, comme c'est bordeaux, marron, ça va bien se marier, je pense. On verra bien. De toute façon, de toute manière, moi, je utilise mes chutes. Je ne veux pas trop jeter. Donc, ben, voilà. Alors, on met ça ici. Ça, il faut que ça fasse à peu près... Ici. Je mets par-dessus. C'est pas tout à fait droit, ça. Voilà, on est bien. On va ancrer le bord. Ça, je vais garder. En fait, je me fais des chutes systématiquement, mais c'est pas grave, puisque je les utilise. Je les jette pas. Et les chutes, ça n'arrive pas d'être jetées. Je vous le dis, même ça, je les garde, vous voyez, et pourtant, c'est pas très gros. Bon, après, les toutes petites pièces, j'avoue, je les garde pas. Mais ça, là, ça mérite d'être gardé. Puis la petite pièce carrée, là, je l'ai gardée, parce qu'on sait jamais, vous voyez, il y a un trou, ben, ça bouche un trou, hein. De dire, hop, on va venir coller ça. Alors on refait un peu de vintage. Je me suis un peu égarée là dans le romantisme, dans le printanier. Je suis un petit peu laissé aller. Elle, on va la mettre là comme ceci. Je vais découper ce qui dépasse parce qu'en fait je voudrais camoufler ça. Voilà. Ici, elle sera très bien. Ouais, je l'ai ancré, on est d'accord. Mais par contre, il y a un truc que je veux faire avant. Et j'en ai fait quoi? Il est là. J'ai pris ce pochoir. Hop, on va l'enlever. Hop, et je vais le tenir. Tant bien que mal, mais je vais le tenir. Voilà. Et je vais venir le coller comme ça par-dessus. Vous voyez? Ça fait plutôt pas mal.
J'aurais dû prendre peut-être le plus gros, mais le plus gros, ça aurait fait vraiment très gros. Et du coup, ça me plaisait pas trop. Je vais mettre ça comme ça. Ça me plaît. Bien. Alors, ce pochoir, je peux l'utiliser pour faire un moonboard, par exemple. Ce que je vais certainement faire, puisque j'ai retrouvé un truc. Et je vais faire un moonboard avec. Voilà, je la trouve plutôt bien ici. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être pas mal. Donc ça, je ne sais pas si je vais l'utiliser. Je ne pense pas, donc pour le moment, je le remets là. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller ce moule-là ici. Peut être pas mal. Alors on va prendre un brouillon. Comme ça que j'ai trouvé la solution pour mettre de la colle derrière sur du tout fin, à moins d'avoir une pointe extrêmement fine, comment dire, un distributeur de colle, chose que j'ai, mais voilà, vous venez appuyer avec votre papier par dessus, vous essuyez avec votre lingette ce qu'il est, la colle de surplus de colle, et on est pas mal. Et ça, je vais la mettre ici. Par contre, je vais tamponner un mot dessus. Un petit mot. Alors, c'est les boulettes. Alors, du coup, je pourrais mettre quoi? Joyeux anniversaire. J'ai pas envie de... On peut faire... c'est vrai. Ben, message d'amitié. Ça peut être pour une amitié, hein. Après tout, je vais regarder. Mais normalement, j'ai mes blocs acryliques qui sont là-haut. Ok. Je les ai ressortis, j'en ai un là. C'est très bien, impeccable. Du coup, je regarde ce que je peux y mettre. Je vais tamponner le mot, déjà. Message de... Alors, attendez. Ouais, message d'amitié, on reste là-dessus. Et vous voyez, c'était les... Ça, c'est ce que j'ai imprimé aussi sur Pinterest et que j'ai découpé. Bon, ces tampons-là, je ne sais plus où je les ai eu. Je ne sais plus. Et pourtant, il n'y a pas longtemps que je les ai, mais... Il n'y a pas longtemps que je les ai. Alors, c'est pareil, je vais faire ça fine de couleur. Là, il va peut-être falloir à un moment donné que je les utilise. Parce qu'elles sont toutes neuves encore. J'en ai pas encore utilisé une seule. Je regarde ce que c'est ça. Eyelink You. Je pourrais le mettre là. Hein. Ouais. Comme ça, ça me permettrait de l'utiliser aussi. Alors, j'ai peut-être pris un trop gros pad. Un trop gros. Ah, bah oui. Punaise. J'ai foiré mon étiquette. Je vais essayer de le remettre. Ah, bah c'est bien, impeccable. Regardez, j'ai réussi. Chose qu'il faut pas faire, il faut utiliser soit un bloc acrylique à la bonne taille, soit vous utilisez une planche à tamponnage, ça évitera ce genre d'anneries. J'étais en train d'essayer de décoller le cercle qu'il y a là, n'importe quoi. Ça fait peut-être beaucoup de mots pour une seule et unique carte. AOR. Ça, c'est la dernière vidéo que je fais pour ce soir. Parce que vous voyez, le jour décline. Ça va être l'heure de Koh-Lanta. Parce que ben, je regarde Koh-Lanta. Moi, je suis une mamie maintenant. Hein. Une mamie. Je me comprends. J'aime bien regarder Koh-Lanta le mardi soir. Alors, que je vous explique. Ah, mon mari est en train d'allumer. Il a jugé que j'étais dans le noir. Il est comme ça, Chris. On va mettre ça ici. I like you.
Oui, en même temps. Ça peut, hein. Je suis en train de chercher mes mousses 3D hein, que je n'ai toujours pas retrouvées. Je pense qu'elles doivent pas être bien loin parce que normalement elles sont dans ce pot-là, enfin dans ce truc-là. Mais manifestement non. Donc il va falloir que j'aille en chercher. J'en ai dans la chambre des neuves, mais ça m'embête parce que j'aurais bien voulu finir la planche entamée, n'est-ce pas? Mais je ne la trouve pas du coup. Il y a un autre truc que j'avais tout à l'heure. Qu'est-ce que j'en ai fait? Non, 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 non. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je range. En fait, je. Et je vous l'avais dit que j'utiliserais les petits bouts. Je vous l'avais dit. Donc ceux-là, ils se sont collés l'un sur l'autre. Voilà. Hop, je vais le mettre alors avec des chutes, une image piquée sur Pinterest, une découpe de mots, même si c'est en anglais, vous en fichez, mais un petit sentiment. Ici vous avez une étiquette du bloc vintage de chez Action qui me restait, donc je l'utilise jamais là. J'aime beaucoup. Est-ce que je rajouterai pas une petite. Alors, j'ai sorti un tampon, mais je vais pas l'utiliser parce que ça frappe trop. Je vais regarder là-dedans si je peux y mettre un truc, pourquoi pas. Ça, c'est du journal C. Pourquoi pas, hein. Peut-être que j'ai trouvé un truc qui va aller. Sauf que je ne vais pas mettre un truc trop gros étant donné. Je vais pas mettre ça. Je vais rester sur le fait de faire une fleur peut-être. Ça, c'est mes fleurs préférées. Il va falloir que je les retrouve. Je sais plus. Je crois que je les avais sur Chine. Je vais mettre celle-là ici. J'aimerais le passer. Ah oui, mais elle est bien collée maintenant. C'est vrai que c'est pas un cercle, c'est un fond à l'encre. Oh punaise, à chaque fois je me fais avoir. C'est ouf ou pas? La mettre là comme ça, j'aime beaucoup. Est-ce que je trouverais pas, et j'ai envie de mettre celle là ici. Allez, on y va. Par contre j'ai pas tout, j'ai coupé, et avec le, je vais mettre ça, je vais la couper avant de la coller de façon à ne pas le décoller tout, pour pouvoir le ranger, ce qui me reste, pour m'en servir sur un autre, sur une autre création. Comprenez ce que je veux dire ou pas?
Là, je pourrais la replacer. Mais comme je vais mettre celle-là. Ou là, je mets celle-là. Ouais, on va faire ça. Comme ça, on utilise les deux morceaux. Je me retrouve. C'est plus moi. Et encore, je la trouve sage, celle-ci. Du coup, par rapport à ce que j'ai pu faire au cours des semaines précédentes. Mais bon, j'étais d'une humeur pas terrible. Du coup. Et là, je vous avouerai qu'il est temps que je sois en vacances. Parce que j'en peux plus. Vendredi, on y sort. Ben, vas-y, toi, tu promènes. Tu te crois où? Alors, on va la mettre ici. Ah ouais, si, elle est très belle. Je suis fan. Je vais la mettre là, ça, qui dépasse que je la vois, parce que sinon je vais encore la rechercher. Ça, ça va là. Ça, c'est une chute. Je la garde, je la mets là. Ça, c'est une chute. Ça, c'est une chute. Ou un brouillon, comme vous voulez, je peux me, soit comme chute, soit comme brouillon, ça m'évite d'utiliser une grande feuille pour voilà, faire mettre de la colle ou pour voilà, faire de l'ancrage avec de l'encre en fait. Du coup, ça évite de tout dégueulasser. Ça, je le garde. Ah ouais, mais je garde vraiment des trucs, moi, je vous jure. Ça, ça va être de base, je sais plus. Je la range après. J'ai mis un plein de je vous jure. Bon, je regarderai ça après parce que ça va me. Hein, bon. Voilà. Voilà, voilà. Donc, la petite carte, on n'a pas mis la date et on l'a pas machinée. Je la trouillotte. Je vais mettre ma date, sauf qu'il me faut la noire, et la noire elle est là, que j'arrive pas à sortir, je ne sais pas pourquoi. Il faut que je fasse du tri dans ces tiroirs, il y a des trucs qui doivent empêcher d'ouvrir et de fermer. J'en ai des sueurs, je vous jure. Bon alors, hein? On est bien le 16 avril, impeccable. Je vais mettre ça ici. Je sais pas. Ici. 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 Non, pas ici parce qu'il y a la découpe. Je vous savais quoi, j'ai bien envie. Je sais pas. Je vais la mettre là. J'aurais pu la mettre sur l'étiquette ici en fait. Ça aurait fait bien aussi. Voilà, 16 avril 2024. On est bon. Elle va rejoindre ses petites sœurs. Dans le classeur qui est là. Hop. Je vais pas le fermer après le tiroir parce que sinon j'aurais pu l'ouvrir. Donc voilà, 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 voilà. La petite carte, un jour un collage du 16 avril. J'espère que vous aurez 17. Du coup, maintenant, je vais les mettre en décalage. Comme ça, ce sera aussi bien. Parce qu'aujourd'hui, vous avez eu celle du 15. Donc, demain, vous aurez celle du 16. J'espère que cette petite carte vous aura plu. Je la trouve trop mimes.
ça reste du steampunk mais soft par rapport à ce que j'ai pu faire depuis quelques jours là. Celle-ci, c'est incroyable. Du coup, voilà. J'espère que ça vous plaît. Moi, je vais vous laisser là. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye.